Allez, c'est bon, on va faire comme ça. Bah dis-moi, ça va, j'ai pas de truc dégueulasse sur la tête ou quoi ? Non, pas de... Attends, je zoome si tu veux, hop, non, c'est bon. Voilà. Et oui, 10 ans déjà, 10 ans que le MHSC a marqué de son empreinte et pour l'éternité ce millésime 2012, durant lequel et au terme duquel l'équipe a donc remporté, comme chacun s'en souvient à Volo, ce titre mémorable de champion de France en 2012. Et ceux qui y ont contribué viennent nous rendre visite régulièrement, parmi eux, bien sûr, celui que vous reconnaissez à mes côtés, Geoffrey Dernis. Bonjour Geoffrey. Bonjour Philippe, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour fêter ces 10 ans, effectivement. Ça voilà. Passe vite, hein. Et oui, ça passe vite. Et pourtant, vous n'avez pas pris une ride ni un gramme. Alors, donc, pour pas. Hein, vous n'êtes pas seul à dire ça, c'est gentil. Oui, oui, non, mais ça se voit en plus. Alors, figurez-vous que, justement, on parle avec Geoffrey ce matin d'un aspect particulier de cette saison dont on a beaucoup parlé, Geoffrey, de la solidité défensive de l'équipe telle que l'avait mise en place René. Parce qu'on termine première défense de Ligue 1. Avec Toulouse d'ailleurs, paradoxalement, qui termine à la 14e place cette année-là. Bon, déjà, un mot quand même, parce que vous n'étiez pas du secteur défensif, mais c'est quand même une base quand on veut être ambitieux. Bah, c'est clairement une base. On sait très bien que le système défensif, c'est ce qui permet, nous, les attaquants, d'être plus libérés. Quand on sait qu'on est solide défensivement, que ça tient la route derrière, c'est vrai que quand on décide d'attaquer, on sait très bien qu'on peut aller jusqu'au bout sans avoir l'idée derrière la tête de se dire « bon, faut faire attention, défensivement, on est en danger ». Non, on avait quand même une ossature très, très solide. Et nous, notamment offensivement, on savait qu'on avait une totale liberté. Et c'est ce qui a fait aussi la force de cette équipe. Et oui, parce qu'on a oublié de dire ou on a oublié de souligner comme cela l'aurait mérité, quand même que l'équipe, alors j'ai bien appris ma leçon, hein, là-dessus je fais pas le mariole, l'équipe a quand même terminé 17 matchs sans encaisser de but cette année-là, ce qui est déjà pas mal. Mais alors là, on va aborder avec vous quelque chose qui vous est certainement beaucoup plus familier, l'attaque, puisque là vous avez quand même disputé 35 matchs sur 38 en ayant marqué au moins un but. Donc là, c'est assez parlant. Ça montre bien la force de cette équipe sur cette saison, puisqu'on finit quasiment avec la moitié des matchs sans encaisser de but. Hormis trois matchs, on marque à tous les matchs. On savait très bien que même si on marquait qu'un but, on avait une forte probabilité de l'emporter. Notamment, on a gagné pas mal de matchs 1-0 parce qu'on avait cette solidité-là. Mais après, c'est vrai que sur beaucoup de matchs, ou quand on avait trouvé notre rythme de croisière, on était... Et puis, on n'a rien volé. C'est-à-dire que même sur les matchs, tu parles, Philippe, de tous ces matchs où on a marqué un but, mais il faut savoir aussi le nombre d'occasions qu'on se créait par match. Donc, quelque part, on avait cette régularité d'être entreprenant et d'être efficace sur cette saison-là. Ce qui nous amènerait presque à penser, Geoffrey, que l'équipe, pour la surprise générale, remportant ce titre, ben c'était peut-être pas tant que ça une surprise pour les acteurs eux-mêmes. Sur le début de saison, oui, c'est une grosse surprise. Personne n'aurait misé sur Montpellier, hormis les Montpellierains, voilà, qui avaient envie de faire un pari risqué. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure des matchs, il y avait vraiment une super osmose entre la défense, le milieu et l'attaque. On avait un Olivier Giroud qui a survolé, bien sûr, et c'était notre buteur attitré. On a Younes Belhanda qui a explosé, un John Utaka qui a fait parler sa vitesse, sa puissance. Moi qui avais plus une totale liberté sur mon côté droit. Donc forcément, c'est ça qui était intéressant dans cette équipe, c'est que n'importe qui, à tout moment, pouvait faire une différence. Donc le danger pouvait venir de partout, sur coup de pied arrêté, sur des actions individuelles, sur des actions collectives. Et c'est vrai que sur cette saison-là, on a pris énormément de plaisir, nous les attaquants. Moi, j'entends beaucoup de gens qui nous disent « merci pour le titre, on a passé une super année ». Mais il faut savoir que nous, à l'intérieur du groupe, l'année a été extraordinaire pour nous aussi. Une superbe année avec 68 buts quand même, ce qui n'est pas neutre, c'est pas banal. Hein. Et puis j'imagine que pour l'attaquant que tu étais, j'imagine que c'est voilà, ça aère complètement, ça supprime tous les soucis de repli défensif parce que on s'exerce ses bétons donc. Tout feu, tout flamme devant, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Après, on avait un travail défensif à faire. René Girard était très à cheval sur ça. Il demandait aux attaquants de défendre d'une certaine manière. Mais je vais même vous raconter une anecdote qui est assez parlante. C'est que moi, j'avais Gary Boccali qui était derrière moi. Et Gary, dès le début de l'année, m'a dit « Écoute, Geoffrey, tout ce qui est en un contre un, tu me le laisses. Moi, je veux que tu gardes ton énergie pour attaquer parce qu'on a besoin de marquer des buts pour gagner les matchs. Si éventuellement, sur un match où je suis un peu moins bien, je te demande de venir m'aider, tu viens. S'il y a un 2 contre 1, enfin, si ton défenseur monte, tu le suis. Mais globalement, les 1 contre 1, voilà, laisse-les-moi et toi, ça te permet d'avoir de l'énergie. Ça montre aussi la mentalité et l'assurance qu'on avait défensivement de pouvoir se permettre de faire ça. Et c'est vrai qu'au plus les matchs avançaient, au plus on voyait qu'on était solide et au plus offensivement, comme tu l'as dit, voilà, c'était un régal de pouvoir enchaîner, de marquer des buts. Et on savait qu'on allait marquer des buts parce qu'on n'était pas sûr de notre force, mais on était sûr
qu'on allait se créer des occasions. Et forcément, à un moment donné, c'est en pourcentage, hein, quand tu te crées 6 ou 7 occasions, bah, cette année-là, tu savais que tu allais au moins en mettre un. Pour terminer la saison aussi brillamment que celle-là, il faut forcément du talent. Il faut aussi, peut-être parfois, un soupçon de baraka aussi. Parce qu'il y a eu, je les ai comptés, mais toi, tu le sais, évidemment, 11-1-0. C'est pas banal, ça. Non, mais d'où la phrase que j'ai juste avant, en disant qu'on savait très bien que même si on menait 1-0 avec cette ossature défensive et cette solidité qu'on avait, parce qu'on parle de la défense, on parle là de l'attaque, mais il faut savoir aussi qu'au milieu de terrain, il y avait un boulot monstrueux. Mais c'est même tout un groupe, parce qu'on voyait aussi les entrants, quand ils rentraient, c'est aussi souvent eux qui faisaient la différence, que ce soit offensivement, voire défensivement quand il y a eu des absents. Donc c'est vraiment cette notion de groupe. Mais 11 fois 1-0, ça montre bien aussi que cette équipe-là pouvait gagner ces matchs 1-0. La tendance était à dire qu'on est d'abord solide et dès qu'on marque un but, voilà. Si on peut jouer pour en marquer d'autres, bah tant mieux. Mais l'essentiel, c'était d'avoir les 3 points, cette fameuse phrase, l'essentiel est les 3 points. Mais quand tu as un objectif comme ça d'aller jusqu'au bout, nous, 1-0, ça nous convenait très bien. Alors qu'est-ce qui se passe alors dans les têtes lorsque de temps en temps, par hasard, comme ça, sur un malentendu, l'équipe perd, encore que je crois savoir qu'elle n'a perdu que 6 matchs, dont 3 sans marquer. Mais vous allez perdre un match, par exemple, à Evian, je crois, avant Noël, 4-2. Là, c'est de l'ordre de l'irrationnel par rapport au tracé qui est le vôtre. Bah, c'était assez irrationnel, effectivement, puisque Evian Thonon était une des équipes qui jouait le maintien, qui était presque relégable à ce moment-là. Nous, on était déjà en haut du classement. Mais parfois, ça fait du bien de prendre une petite claque pour remettre les idées à l'endroit, parce que parfois, on avait peut-être aussi cette faculté de se dire qu'il pouvait rien nous arriver. Hein. Tu parlais de la baraka. C'est vrai qu'il y a des matchs où on était grandement dominé. Moi, je prends le premier match d'ouverture contre Auxerre, où on gagne 3-1. Mais si on n'a pas un grand Laurent Pionnier, et si on n'est pas un minimum efficace devant, on n'est pas sûr de le gagner, ce match-là. Donc, on avait cette baraka-là. Mais ce genre de défaite, et René Girard se faisait un don de nous le rappeler, ça nous permettait de se dire « Ah non, nous on n'a pas le droit de baisser de rythme. Nous, il faut qu'on soit à 100% tout le temps. À 80%, on ne pourra pas gagner les matchs. » 5 buts pour Geoffrey Derny. 5 buts qui a fait de toi le 4e buteur, ma foi, de l'équipe cette année-là. Ça aurait pu être mieux parce que tu n'as pas joué toute la saison. Je crois que tu as eu un pépin physique qui t'a écarté les terrains. Ouais, j'avais eu une blessure contre Brest qui m'a valu 3 mois d'arrêt. Je m'étais blessé au genou. Et c'est pour ça que je te parlais aussi des remplaçants. C'est Souleymane Camara qui souvent rentrait à ma place où on inversait les rôles en fonction des matchs. Voilà, exactement, tout à fait. C'est un peu notre duo, hein, sur le côté. Et c'est Souley qui a pris la relève et qui, lui, a fait une deuxième partie de saison remarquable. Donc j'ai presque envie de dire, bah, peut-être que cette blessure-là, moi, m'a fait beaucoup de mal parce qu'on était sur une super saison. J'avais des belles statistiques. Mais est-ce que finalement, c'était pas écrit comme ça que c'est Souley aussi avec moi qui allait nous faire aller le plus loin possible. Donc oui, j'ai raté 3 mois, mais même de l'extérieur, je prenais un plaisir fou à regarder mon équipe jouer. On va se la poser, cette question. Je vais la poser, cette question, même si on sait évidemment tous la réponse, mais pour avoir vécu une finale de Coupe de la Ligue, pour avoir vécu un parcours très bref en Coupe d'Europe, et puis le titre, bien sûr, ça restera peut-être le sommet de ta carrière, Geoffrey, ou pas? Ah bah oui, complètement. Jouer un titre, encore plus avec Montpellier, complètement inattendu. Nous, c'est l'histoire d'un groupe, c'est l'histoire d'une ville. Quand est-ce que ça va se reproduire? Peut-être jamais. Mais oui, ça, c'est l'apothéose de Marquinhos. Moi, quand on a eu ce titre-là, je me suis dit, voilà, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire dans ma carrière. J'ai un titre, j'ai une trace, j'ai quelque chose de noté. Et moi, personnellement, rien ne pourra me l'enlever. Je suis très heureux encore aujourd'hui, 10 ans après. Geoffrey, les semaines passent, les matchs s'enchaînent. On s'en approche de plus en plus. Comment on maîtrise ça entre attaquants? Bon, derrière, j'imagine qu'on se serre les coudes, mais devant, pour garder sa lucidité, sa cohésion, son entente avec... à un moment donné, on peut avoir, c'est humain, la tremblote quand il arrive, une histoire comme celle-là à Montpellier. Alors c'est paradoxal ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette pression-là, ce stress de se dire, et si on n'y arrivait pas après tout ce qu'on a fait? Et puis finalement, on ne s'est jamais posé la question. On s'est entraîné de la même façon. On se parlait entre nous, hein, en se disant, mais on ne va rien changer en fait. On va prendre les matchs comme ça. On est sûr de notre force. On va aller attaquer, on va marquer des buts, on va être costaud. Alors je ne dis pas que dans un coin de notre tête, à un moment donné, on s'est dit, ouais, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui fonctionnait. Personne ne nous attendait là. Quoi qu'il arrive, on savait qu'on allait se qualifier quasiment pour la Ligue des Champions. Au minimum, on devait être 3e. Donc la saison était réussie. L'idée, c'était de se dire, quoi qu'il arrive, la saison est réussie. Allons atteindre les étoiles. Pas grand monde ne peut atteindre les étoiles, surtout dans un club. Et comme j'ai dit, à un moment donné, on était beaucoup à le dire, hein, mais pour beaucoup d'entre nous,
peut-être on n'aura jamais l'occasion de revivre un titre. Donc autant aller jusqu'au bout maintenant, autant se donner les moyens, ne rien changer. Parce que hormis si tu joues au PSG, voire Lyon, voire des grands clubs qui jouent le titre, on n'est pas sûr, nous, en tant que joueurs, notamment à Montpellier, de le revivre. Donc on ne s'est pas posé cette question-là. On s'est juste dit, ne changeons rien. Et c'est ce qu'on a fait. À titre perso, Olivier a quand même marqué 21 buts cette saison-là. Younes le suivait au classement. On avait plutôt tendance à aller congratuler ces deux-là que Geoffrey Dernis. Je disais tout à l'heure, 5 buts, mais ça doit être trippant quand même quand ça t'arrive. Ouais, mais moi, j'étais pas un buteur. Donc en fait, ça me dérangeait pas. Moi, j'étais plus le joueur qui avait envie de régaler mes attaquants. Alors ça paraît paradoxal parce que j'ai un profil offensif. Donc on se dit toujours, un offensif doit marquer des buts. Mais c'est vrai que moi, mon régal, c'était de faire marquer mes attaquants, de leur donner des bons ballons. Si je pouvais finir mes actions, je le faisais. Mais je pense que c'était l'idée générale du groupe. Olivier, pareil, hein, parce qu'il finit meilleur buteur, mais finit aussi meilleur passeur. Ça montre bien aussi le collectif qu'on avait. Il tirait pas la couverture à soi. Mais moi, sincèrement, l'image marquante, et ça, Philippe, je vais pas te. Et même les supporters, hein, puisqu'on parle un peu à tout le monde, regarde un peu l'image du but qu'on marque contre Lille à la dernière seconde de Karim. Regarde cette liesse. Il n'y en a pas un qui n'a pas couru vers Karim. Il y a tout le banc. Et si, je pense que si tout le stade avait pu venir sur le terrain avec nous pour se congratuler, tout le monde serait venu. Et c'est l'image qu'il faut retenir de cette équipe. C'est qu'en fait, même le mec qui jouait pas, même le mec qui était sur le banc, même le garçon qui était dans la tribune, il fallait voir la joie qu'il y avait dans les vestiaires. Et ça, c'est jouissif à mourir. En tout cas, on n'oubliera pas ce but contre Lille, on n'oubliera pas le titre et on n'oubliera pas non plus ton légendaire pied gauche, hein, parce que tu as nettoyé la toile plus d'une fois, Geoffrey. C'est vrai, exactement, mais c'est parce que voilà, de temps en temps, on oubliait de nettoyer les buts, de nettoyer les toiles d'araignée. Donc on me demandait de temps en temps, avant un match, si c'était possible, effectivement, de nettoyer tout ça, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps et je le faisais avec grand plaisir, Philippe. D'une efficacité de bourreau. Merci infiniment, Geoffrey. Merci, Philippe. Merci.